projet de majeur entrepreneurial dernière année d'école s'inscrit dans une volonté affichée. C'est la première concrétisation de cette volonté de développer et d'amplifier la transversalité entre ces écoles. Les diplômés ingénieurs, managers et de la communication digitale auront vocation à travailler ensemble dans leur vie professionnelle. Et nous avons imaginé les faire déjà travailler ensemble sur le campus pour notamment ceux qui portent des projets entrepreneuriaux. Et c'est l'objectif de cette majeure qui rassemblera donc des étudiants de ces trois écoles, qui sera fortement encadrée par des professionnels qui sont les mieux à même d'accompagner nos étudiants vers la réussite de leurs projets et la création effective d'entreprises. Dans cette majeure entrepreneuriale, il y a plusieurs points intéressants qu'il faut avoir à l'esprit. D'abord, créer un projet d'entreprise, c'est avoir un projet concret, réaliste, et avoir les principaux enseignements qui permettent de vérifier qu'il est réaliste et qu'il est concret. Bonjour, Laure Camparian, créatrice d'entreprise depuis 2009, fabricant français d'enceintes audio intégrées. Cette réunion aujourd'hui nous a permis de voir les différents points cruciaux liés à la création d'entreprise et à la mise en place de ce master entrepreneuriat. On se rend bien compte que le point vraiment à approfondir est l'aspect vente, parce que globalement, les étudiants ont du mal pour finaliser leur projet à trouver des clients, donc il va falloir travailler vraiment sur la partie commerciale du projet, bien construire son argumentaire, cibler et puis savoir être réactif pour pouvoir au mieux atteindre sa cible en vue de commercialiser ses produits. Donc, bonjour, Renaud Le Bouler, j'ai créé un certain nombre et racheté un certain nombre de sociétés au cours des quelques petites années de mon expérience. Je trouverais très intéressant de participer à la création d'un nouveau master, d'un master entrepreneuriat au pôle Léonard de Vinci, surtout par la dimension interculturelle, le fait d'avoir à la fois des scientifiques, des gens du multimédia, et des gens du domaine plus des sciences de gestion et du management. Donc, c'est quelque chose de très intéressant d'avoir cette transversalité qui permet une émulation, un mélange de compétences qui sera que très très bénéfique pour l'ensemble des étudiants qui auront la chance d'intégrer cette majeure. Je représente le MEDEF des Hauts-de-Seine et je suis tout à fait intéressé, ainsi que le MEDEF, à supporter et à participer au projet d'entrepreneuriat et de master qui permettrait à ces participants de porter leur projet jusqu'à la réussite. Une brique au départ qui va être sur le projet lui-même, sa cohérence, son intérêt, mais ensuite il y a un certain nombre de choses à savoir, et c'est bien le propos ici d'être extrêmement concret, c'est comment opérationnellement je vais pouvoir le mettre en place, le piloter, l'organiser. Il y a des incontournables, il y a un marché, il y a une réglementation, il y a une fiscalité, il y a tout cet environnement qu'il faut prendre en compte, mais pas seulement, il faut aussi savoir vendre, savoir promouvoir, savoir construire la rentrée d'argent. C'est très pragmatique, une entreprise encore une fois, et cette majeure a ce mérite-là que de focusser sur ce qui est important. Il y a des sujets sensibles, il faut savoir les traiter. Savoir s'y préparer, parce que de toute façon le marché sera toujours plus dur et plus brutal si vous découvrez les problèmes sans les anticiper. Donc il y a une phrase de Confucius que j'aime bien, c'est « qui ne sait pas voir loin verra les ennuis de près ». Et c'est exactement cela. Si vous ne savez pas anticiper, ça ne veut pas dire résoudre en amont, mais si vous ne savez pas anticiper, vous prendrez les choses de plein fouet et vous serez acculé, ce qui est la pire des choses. Et le propos, donc, je vous l'ai dit, plusieurs enseignements pratiques, se préparer, vérifier le fait que nous sommes bien armés, projet, compétences, comment je le mets en œuvre, comment je sais anticiper les problèmes qui vont arriver, quelles sont les méthodes d'action et de réaction que je peux développer pour savoir répondre aux enjeux qui vont forcément et immanquablement arriver. C'est intéressant justement d'avoir dans des équipes pluridisciplinaires eh bien, à la fois des étudiants qui ont un cursus de l'EMLV, donc plus marketing, management, commerce, et des étudiants de l'ESILV, donc plus dans l'ingénierie, et des étudiants de l'IM, donc sur l'internet et le multimédia, puisque ça représente aujourd'hui, même en France, un nombre de start-up relativement important. Vous l'aurez compris, une cinquième année très originale, très innovante,
transversale, puisque seuls les porteurs de projets seront admis dans notre programme. Et l'objectif de ce cursus sera de transformer leurs projets en véritable création d'entreprise.